Eh bien, salut tout le monde, c'est Robrunner. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fin de ce petit tutoriel sur Figma. Aujourd'hui, on va s'occuper du format mobile. Pour commencer, on va mettre frame d'iPhone 13 Pro de mon côté. Vous, vous mettez la plus proche de votre mobile. Pour avoir un rendu en temps réel sur votre téléphone, je vous conseille l'app Figma Mirror disponible sur l'App Store ou le Play Store. Ensuite, vous allez reprendre le header de la version desktop ou le refaire, c'est à votre guise. Perso, je vais le reprendre. Maintenant, vous allez retirer tous les liens entre les pages qui se trouvent dans le header, car nous allons faire un menu burger. Sur l'app mobile, je me rends compte que le logo se trouve derrière l'encoche. Donc on baisse tout le header ou on met le logo en plus petit sous l'encoche. Perso, je préfère quand c'est aligné. On met le menu burger de la couleur du reste du site, avec un border radius pour qu'il soit rond sur les bords. On lui pique 3 fois, et on règle les espaces à son souhait, et voilà. Maintenant, on sélectionne le header et on coche l'option Fix Position When Scrolling, qui va permettre de faire à ce que le header soit toujours présent lors du scroll. Ensuite, on reprend à nouveau les éléments de la version desktop et on fait en sorte à ce que ça rentre bien en réduisant la taille de la police, des images, etc. Pour ne pas vous tromper sur la disposition des éléments, juste gardez en tête qu'il faut qu'ils soient le plus alignés à la verticale. Par exemple, là, le texte et l'image étaient côte à côte. Et maintenant, on met l'image au-dessus du texte. Et essayez de faire comme sur la version desktop, en gardant une harmonie dans les espaces et la taille des textes. C'est parti pour un timelapse. Hop hop hop, je reviens sur une remarque que l'on m'a fait. C'est que malgré le fait que le curseur deviendra un pointeur quand il est au-dessus du poste, ce n'est pas forcément évident de savoir qu'on peut cliquer dessus. Donc c'est bien de rajouter un voire plus pour donner l'information que le poste renvoie sur une page. Et c'est reparti pour un timelapse.
et re. Là, on va venir placer les boutons de chaque côté de l'écran au lieu de les mettre l'un sous l'autre pour casser la redondance et attirer l'œil. Et on est reparti pour un timelapse. Pour le footer, j'ai choisi de mettre dans le sens inverse que dans la version de desktop pour garder le logo en gros et donner un style sans gâcher la navigation de l'utilisateur. On s'occupe ensuite de créer le menu Burger que l'on utilisera sur chaque page. Pour cela, on transforme les trois barres en croix, on remet le logo en haut au centre et l'image de profil à droite. Puis, on met les liens vers les différentes pages au centre suivi du panier. Ensuite, on fait le lien entre les deux pages avec des petites animations et des fonctionnalités que l'on aurait sur un site. Maintenant, on va s'occuper des autres pages, alors voilà un nouveau timelapse.
J'ai fait un choix qui est que sur la version forum, je n'affiche pas la partie preview qu'on avait sur la version desktop pour faire en sorte à moins encombrer la page. Après, vous voyez ce que vous voulez. Les deux marchent, si jamais c'était un vrai client, je lui aurais demandé ce qu'il préférait. Et là, sur le bas du poste, au niveau des boutons, je me suis fait un petit kiff, avec les boutons qui sont une box plutôt propre, avec des alignements qui deviennent verticaux et d'autres qui restent horizontaux.
Sur le menu, je rajoute un dégradé pour répondre à une remarque que l'on venait de me faire, qui était que sur un de mes anciens sites, c'était mieux avec la touche de plus sombre, ça donnait un dynamisme à mon site. Et enfin, j'avais oublié les taxes dans le shop. Voilà à quoi ça ressemble sur mon téléphone. Je suis plutôt satisfait du résultat. Faites-moi part de vos retours en commentaire. C'était la fin de ce tutoriel sur Figma. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, lâchez un like, activez la cloche. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, c'était Rob Runner.